Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment utiliser Skype sans l'installer avec le site IMO. Donc sur votre page Google, vous allez tout simplement taper IMO, puis vous allez sélectionner le premier résultat, IMO Instant Messenger. Après vous allez cliquer sur l'icône Skype et voilà. Alors moi je suis déjà connecté, donc je vais me déconnecter. Donc vous allez cliquer sur l'icône Skype ici, puis vous allez taper votre petit pseudo. Votre mot de passe. Vous allez faire sign in. Puis là vous allez en fait arriver sur votre fenêtre Skype, sauf qu'elle sera pas pareil, mais vous allez avoir toutes les options qui sont sur Skype. Voilà, on les retrouve, c'est facile. Voilà, quoi dire d'autre. Donc là vous pouvez changer la langue en bas et prendre français. Alors le français n'est pas traduit en fait tout n'est pas traduit en français, mais là vous pouvez modifier vos occupations. Pour téléphoner à quelqu'un, vous êtes tout simplement sélectionner cette personne, faire appeler, voilà, comme d'habitude. Alors la première fois que vous allez l'appeler, ils vont vous demander si vous acceptez qu'Ada Flash Player utilise vos périphériques d'entrée de votre ordinateur. Donc faut faire oui et puis mémoriser, comme ça vous n'aurez pas tout à recliquer à chaque fois. Voilà, donc c'est une petite technique très simple en fait pour avoir Skype sur internet. Si vous avez des questions relatives à ce sujet, n'hésitez pas à me laisser un mail à l'adresse vidéo.lecarnetculture@gmail.com et à visiter mon blog http://lestutosdelinformatique.blogforever.com. A bientôt pour un nouveau tuto et merci d'avoir suivi celui-ci.